Bonjour à tous. C'est parti pour la revue de psychologie positive. Toujours un peu juste au niveau du timing, mais on continue à la faire, il n'y a pas de souci. Alors, je baisse un petit peu la musique de mon côté et on va partir sur la bonne scène, ça serait mieux. Hop, voilà. Tac. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme article potentiel? Je vous montre ça tout de suite. Un article sur la personnalité et la santé et le lien entre les deux. Un article sur les séries qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois, les fois précédentes. Un article sur la rêverie. Un article sur le fait de trouver sa voix. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà traité. Ça me paraît bizarre. Anyway, un article sur le fait d'avoir des plantes à la maison. Et puis, un article sur le self-control. Alors, on va regarder tout ça. Je recheckerai à l'occasion parce que je pense effectivement que l'article sur les... Sur le fait de trouver sa voie, on l'avait à mon avis déjà fait. Je vérifie juste rapidement. S'il a été, enfin, comme il n'a pas été noté comme fait, je ne sais pas, mais ça me paraît un peu curieux. Je regarde rapidement. Je regarde rapidement. Je prends quelques secondes pour vous dire ça. Pour être sûr de ne pas refaire deux fois la même chose, ce serait un peu dommage. Tac. Ok. Je regarde dans les précédents. Ok. Ah ben, je crois qu'on l'avait pas fait en fait, hein. Je crois qu'on ne l'avait pas fait du tout en réalité. Eh ben non, on l'avait pas fait. Écoutez, si on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Alors, je sais encore. Notez si un article est fait ou pas, c'est rassurant. Très bien. On va évidemment pas tout faire, je pense qu'on va en faire deux ou trois. On peut commencer éventuellement avec les séries. Avec cet article de Conversation, alors qu'il était publié fin décembre, et qui nous parle de l'intérêt de la loi des séries pour maintenir des objectifs. Pourquoi est-ce que ça fonctionne, en fait, le fait de faire des... De noter par exemple qu'on fait quelque chose tous les jours, etc. Alors, donc, une série d'activités, donc ça a le pouvoir d'inciter, de maintenir, d'adhérer, enfin, de maintenir un comportement, d'adhérer à un comportement, c'est-à-dire de le faire et de continuer à le faire. Et donc là, c'est un chercheur en marketing qui parle de ça, et effectivement, dans le marketing, alors, qui s'appuie sur des études de psychologie, hein, c'est toujours pareil, souvent le marketing arrive plusieurs années après, découvre des principes de psychologie et l'applique à un champ commercial en gros, et donc après on redécouvre le truc, et souvent les recherches en marketing sont meilleures pour médiatiser les choses et les vulgariser. Donc c'est là aussi où elles peuvent avoir un avantage par rapport à la psycho. Mais donc voilà. On a des chercheurs en marketing qui ont justement documenté ce que faisaient les boîtes avec les séries, notamment Snapchat avec les flammes, enfin, je crois que ça, hein. Snapchat, je n'utilise pas vraiment, Candy Crush, Wordle, donc qui est une espèce de Scrabble, voilà, et Duolingo aussi, on a des séries. Et c'est des applications qui ont intégré les séries dans leur fonctionnement. Et dans le fait de et dans leur stratégie pour que les utilisateurs continuent d'utiliser l'application. Voilà. Donc en gros, ces applications-là, elles vont noter, intégrer, donner à l'utilisateur une information sur le nombre de jours d'affilée où ils sont actifs dans l'application, où ils font une tâche dans l'application. Voilà, encore un exemple avec Wordle. Et alors, qu'est-ce qui rend les séries comme ça si attirante, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de poursuivre
de poursuivre une série qui est commencée à ce point-là, surtout quand elle est bien entamée. Alors, hop, je regarde. Ok, ça c'est sur la définition de ce qu'est une série, je ne veux pas revenir dessus parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je ferais mieux de couper le micro avec le Stream Deck en fait, parce que ça vous fait un bruit à chaque fois, j'avais vu dans les replays. Bref, donc en fait il faut différencier les séries d'activité des séries de victoire ou des séries de chance. Parce que contrairement aux séries d'activité, les séries de victoire, ça dépend aussi de la performance des autres, des opposants. Et les séries de coups de chance, ça dépend de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et pas sous le contrôle de la personne qui agit. En tout cas, pas à 100%, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est que, une série d'activités, c'est sous votre contrôle. C'est vraiment quelque chose qu'on peut maîtriser enfin, en tout cas très majoritairement, il peut y avoir des imprévus, etc. Mais voilà. Et d'autre part, les séries d'activités, il y a une part subjective, perceptuelle, mais subjective. C'est-à-dire que ce que les gens vont considérer comme des séries ininterrompues, et ça va dépendre des personnes. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on fait tous les jours, on ne considère pas que c'est une série. Et il y a des choses qu'on fait à chaque fois qu'on en a l'opportunité, mais comme il n'y a pas des opportunités tous les jours, on ne considère pas que c'est une série, alors qu'en fait, pour d'autres, ça peut être une série. Donc, est-ce qu'une série, c'est une habitude? Donc, les habitudes, c'est quelque chose qui est déclenché par un contexte et qu'on va. C'est un comportement déclenché par un contexte qui va se produire quand les signaux suffisants sont réunis de manière assez systématique et non consciente. Quand l'habitude est installée, bien sûr. Par exemple, là, il dit l'habitude d'attacher sa ceinture quand on monte dans la voiture, c'est quelque chose qui est assez. Voilà, que tout le monde fait et on ne considère pas ça comme une série d'activités parce que c'est à chaque fois qu'on a l'opportunité, on le fait et voilà, c'est normal. Et c'est ça qui différencie l'habitude de la série, c'est-à-dire que c'est ce côté automatique. Alors qu'une série, ça nécessite souvent qu'on ait une stratégie pour mettre en place l'activité, pour la réaliser tous les jours ou à la fréquence à laquelle on a défini cette série. Si par exemple on veut courir tous les jours, alors 1,3 km, je ne sais plus, 1 mile tous les jours, eh bien il faut planifier. Il faut planifier ça de manière stratégique quand on se change de fuseau horaire, en fait, quand on se déplace beaucoup, par exemple. Bon, c'est assez minoritaire, hein, les gens qui font ça, aux États-Unis un peu plus, parce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires, mais voilà. Et le challenge de trouver plusieurs manières de faire ce comportement et de continuer la série, ça motive beaucoup de gens qui ont des séries, en fait, qui font des séries comme ça. Alors, qu'est-ce qui motive, pourquoi est-ce que les séries motivent le comportement? En général, les séries, ça ajoute un objectif de niveau supérieur à celui du fait de faire le comportement, qui est de maintenir une série. Et ça combine ça voilà, donc c'est un comportement de haut niveau, entre guillemets, en tout cas de niveau supérieur, et un objectif de niveau inférieur, qui est le fait de faire l'activité. Donc ça déjà l'intérêt, c'est qu'il y a ces deux niveaux d'objectifs. Ensuite, ça ajoute une structure à l'activité et ça facilite la prise de décision. C'est-à-dire qu'on est en train, en fait, en général, quand on fait une série, on est aussi quand même en train de construire une habitude. Et donc, comme elle n'est pas encore automatique, on définit consciemment, voilà, quand il y aura ça, il va se passer ça, et voilà comment ça va se passer et comment j'organise mon activité. Donc ça simplifie la prise de décision aussi, ce qui rend la chose plus facile, ce qui rend la chose plus satisfaisante aussi.
Et puis évidemment, après, ça peut être lié à un vrai objectif en dehors de la série, même de plus haut niveau, qui a été la motivation d'origine de la série. C'est-à-dire, par exemple, je veux être en meilleure santé, je vais aller courir tous les jours, admettons. Hein, voilà. Donc, ça, il y a aussi ça, et le fait d'avoir cet objectif qui va être à l'origine de la série à la base, et qui va permettre d'être atteint grâce à la série, ça aide aussi. Et ça rend la série plus satisfaisante et ça aide à motiver les comportements. Mais il faut ces différents niveaux d'objectifs. Donc la manière dont une série est structurée, ça peut aider à adhérer à cette série, à la continuer. Par exemple, si on a une série, on a un objectif de comportement quotidien qui est de méditer 20 minutes par jour, si ça apparaît plus attirant à la personne qui est en train de mettre en place ce comportement, ce sera plus efficace que de se dire qu'elle va méditer 140 minutes par semaine. Donc en fait, la manière dont on définit la série aussi, c'est plus facile. Par exemple, vous pouvez dire je fais 20 pompes tous les jours ou je fais 140 pompes par semaine. Pareil, en fait, ça peut être plus motivant de se dire je fais 20 pompes tous les jours que de dire j'en fais 140 par semaine. Voilà. Même si le total de comportement est le même. Au final, le fait d'avoir une structure quotidienne, ça simplifie la décision et ça simplifie la mise en place du comportement. On peut aussi gamifier une activité grâce aux séries. Et ça permet aussi de quantifier, donc de suivre une activité. Et ça peut être satisfaisant en termes d'accomplissement. Voilà. Et puis après, si c'est aligné avec la définition de soi et de son identité, c'est encore plus efficace. Mais les séries ne motivent pas tout le monde dans toutes les situations, peuvent avoir l'effet inverse, en fait, en devenant une contrainte et en devenant une source de stress, quelque chose qui contrôle sa propre vie plutôt que de pouvoir profiter aussi des imprévus, des choses spontanées. Donc là, dans ce cas-là, ça peut devenir contre-productif. Donc en gros, les séries, c'est quelque chose que beaucoup de gens essayent de mettre en place quand ils veulent mettre en place de nouvelles habitudes, des bonnes résolutions. Là, on est en février maintenant, mais voilà, en début d'année. Et en fait, le fait de structurer une bonne résolution sous la forme de série, en se disant je vais faire ça tous les jours, ça peut être quelque chose qui incite vraiment à changer de comportement. Il faut juste que, c'est ce qu'on a dans les mini-habitudes ou les micro-habitudes, il y a des articles sur se réaliser sur ce sujet-là, et puis l'excellent livre de James Clear aussi sur le sujet. En fait, faire des mini-habitudes, c'est mettre en place des séries, hein. Créer des mini-habitudes, et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que plutôt de se dire je vais changer tout mon comportement de manière massive rapidement, eh bien c'est plutôt je vais essayer de changer de comportement à moyen long terme, et le fait de mettre en place un comportement quotidien, et donc de suivre des séries, de me dire voilà, je vais suivre ma série de comportements, ça peut être une manière beaucoup plus simple, avec un niveau de comportement qui est beaucoup plus modeste, ça peut être une manière de construire une identité, de transformer son identité, et de construire un comportement. Et de construire un changement à plus long terme. Et puis on a vu dans une précédente revue de psychologie positive que, voilà, après la manière dont on révise ces séries et dont on estime qu'on a réussi des séries ou pas, en adaptant voilà, le nombre de. L'objectif plutôt de manière hebdomadaire que quotidienne, ça peut aussi aider. Donc en fait, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça peut être plus facile de mettre en place des séries en se disant je fais quelque chose quotidiennement. Mais ça peut être mieux de mesurer sa réussite sur les séries en se disant, ok, est-ce que toutes les semaines j'ai fait au moins ce volume-là? En sachant que le volume hebdomadaire peut être légèrement en deçà, cet objectif hebdomadaire peut être légèrement en deçà de l'objectif quotidien cumulé. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites je fais 20 pompes par jour, eh bien c'est bien d'avoir deux objectifs différents. C'est-à-dire, j'ai mon comportement, ma série, mon objectif qui est de 20 pompes par jour. Mais j'estime que j'ai réussi parce qu'il y a des imprévus, parce que justement j'ai pas envie que les séries contrôlent mon quotidien. Ça, c'est mon objectif de base, mais j'estime que j'aurais réussi une série de manière hebdomadaire si j'ai fait 100 ou 120 pompes, admettons. Donc c'est en deçà de 140, et ça laisse une petite marge de manœuvre. Et quand on fera le bilan dans un mois, 2 mois, on regardera de manière hebdomadaire si cet objectif hebdomadaire a été atteint, en plus éventuellement de l'objectif quotidien. Comme ça, on a une autre mesure de réussite. Donc voilà un peu l'idée, pourquoi les séries fonctionnent, comment elles fonctionnent et pourquoi c'est intéressant.
C'est quelque chose que vous pouvez essayer de mettre en place, c'est quelque chose qui marche assez bien, les mini-habitudes comme ça. Faut juste bien doser, bien réfléchir au départ à ce qu'on veut faire et bien doser les séries pour que ça fonctionne de manière correcte. Alors, on va faire autre chose. Justement, pour enchaîner sur les séries, on va parler de self-control. Ça me paraît assez cohérent finalement de faire cet article-là ensuite. Alors, on avait vu un article de vulgarisation sur le self-control et l'intérêt du self-control. Là, regardons un petit exemple sur le fait d'avoir trop de self-control. En fait, en général, donc le self-control, donc l'autorégulation, le fait de pouvoir contrôler ses comportements de manière autonome, c'est-à-dire sans intervention extérieure, c'est quelque chose qui est souvent vu et valorisé dans nos sociétés comme quelque chose de positif. On considère que c'est une clé du succès professionnel, que c'est une clé du succès, alors surtout professionnel, hein, au niveau de la santé, par exemple, au niveau de l'alimentation, etc. Dans les relations un peu moins, hein, mais dans les relations, j'entends dans les relations intimes, etc. Un peu, mais pas autant que dans le professionnel et dans la santé. Parce que si on a du self-control, on peut gérer sa carrière, on peut être efficace au travail, on peut manger de manière équilibrée, résister aux tentations, on peut s'astreindre à un régime d'activité physique, etc. Bon. Mais, dans des publications donc faites par des chercheurs, le professeur Thomas Lynch notamment en 2018, à partir de 2018, et puis plus récemment, évidemment, il traite d'un problème qui est peu traité en général, qui est le fait que trop de self-control, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que c'est comme en fait pour tout, hein, toutes les dimensions. Pas assez d'une chose, en général, c'est pas génial. Trop d'une chose, excès d'une chose, en général, c'est contre-productif. Bon. Ça, c'est un peu une règle universelle. Il y a toujours un sweet spot, un juste milieu, qui n'est pas forcément pile au milieu, hein, mais un juste milieu, un endroit d'équilibre qui est intéressant et qui est optimal, qui peut légèrement varier d'une personne à l'autre d'ailleurs, et puis il y a des extrêmes qui sont contre-productifs. Et on parle souvent du manque de self-control, on parle assez moins, enfin on parle moins souvent et assez peu dans les médias généralistes de l'excès de self-control. Puisque ça pourrait être l'excès de self-control serait, et on peut le dire, hein, est lié à des problèmes de santé mentale. Et donc, selon la théorie de ce chercheur, on apprend tous, enfin, on tend tous vers un modèle ou l'autre en fonction de notre environnement, de notre éducation, etc., qui est soit le sous-contrôle, soit le sur-contrôle. Donc voilà, l'environnement, la génétique, tout ça, tout ce qu'on apprend dans notre vie nous fait tendre plutôt vers l'un ou l'autre, mais on est flexible psychologiquement et en fonction des situations, on peut aller plutôt vers le contrôle, plutôt vers le contrôle ou le surcontrôle, et dans d'autres situations, plutôt vers un peu moins de contrôle, un peu plus de flexibilité, un peu, voire du sous-contrôle. Et heureusement, on peut s'adapter aux situations. C'est comme au niveau de la personnalité, quand je parlais de. Enfin, j'en ai pas parlé sur le stream, mais j'ai publié un article en décembre de mémoire sur le. Ou en novembre, sur le côté introverti, extraverti. En fait, on a tous la capacité d'être plus ou moins extraverti, introverti, en fonction des situations. Après, on a une tendance naturelle, des préférences qui sont construites avec, pareil, la génétique, l'environnement, etc. Ok, mais on est tous capables d'agir de manière extravertie ou d'agir de manière introvertie en fonction des situations. Ça nous vient plus ou moins naturellement, c'est plus ou moins facile, mais tout le monde a cette flexibilité-là. Et heureusement qu'on a cette flexibilité-là et qu'on n'est pas coincé dans un couloir. Et donc, pourquoi c'est problématique, les excès par rapport au self-control? Quand on est fortement en sous-contrôle, on a peu d'inhibition, on a du mal à contrôler nos émotions. On a des comportements qui peuvent être imprévisibles et qui vont dépendre de notre humeur du moment. Et ça peut évidemment avoir un effet négatif sur les relations, sur l'éducation, les études, en gros, le travail, les finances, la santé, etc. Il y a beaucoup de thérapies, d'interventions, d'outils qui existent pour augmenter le self-control.
Donc dans les thérapies cognitives comportementales, on a ça sur l'entraînement au contrôle des pensées, du comportement des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui existe et qui fonctionne assez bien. Maintenant, l'over-control, donc le sur-contrôle, on n'en parle pas trop, je l'ai dit tout à l'heure, parce que en fait, être dans le contrôle, avoir cet auto-contrôle, cette autorégulation, bah, c'est lié à des choses qui sont plutôt des qualités, c'est-à-dire la persistance, la capacité à créer des plans, à adhérer à ses plans, à ses stratégies, à ses objectifs, à viser la perfection, le fait de contrôler ses émotions, donc d'avoir comment dire, une posture en société, au travail notamment aussi, qui est une posture de contrôle, de maîtrise et de calme, etc. Et c'est souvent très, très valorisé pour toutes ces raisons-là. Mais les gens qui sont dans le surcontrôle peuvent avoir du mal à s'adapter au changement. Ils peuvent être moins ouverts aux nouvelles expériences, ils peuvent être plus critiques, ils peuvent être coincés dans leurs habitudes, dans leur manière de fonctionner, et ils peuvent avoir parfois l'envie, enfin avoir de la jalousie par rapport à des gens qui sont beaucoup plus spontanés. Ils peuvent avoir du mal à se relaxer, ils peuvent avoir du mal à être détendus et à s'amuser dans des situations sociales. Ils vont moins souvent rire, moins souvent pleurer, ils vont plus souvent cacher leurs émotions. Voilà. Et donc ça peut entraîner de l'isolement social, de la solitude, et donc ça a évidemment des conséquences négatives sur la santé mentale. Moi, si je dois me situer, hein, je suis plutôt dans le surcontrôle que dans le sous-contrôle, hein, très clairement. Et les outils qui existent pour travailler sur le sous-contrôle, la sous-autorégulation, ils sont pas très utiles pour travailler sur ces sujets-là. Parce que là, il faut apprendre plutôt à se déréguler, à moins réguler ses émotions, à être plus spontané. Apprendre à se contrôler avec des outils qui existent, c'est plus facile. En tout cas, on a des choses qui fonctionnent. Apprendre à lâcher prise. Et ceux qui travaillent dessus, voilà, et à perdre le contrôle, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, et donc Lynch, il a travaillé un peu sur des choses en lien avec ça. Notamment la thérapie de l'ouverture radicale au comportement dialectique. Et des études justement récentes ont montré que ça avait du potentiel pour aider des gens qui sont sur contrôle. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on apprend aux gens à lâcher prise, à lâcher ce contrôle petit à petit, à être plus ouverts sur leurs émotions, donc à exprimer leurs émotions, à communiquer davantage avec les gens, et être plus flexibles quand il y a des situations en fait qui évoluent, qui sont changeantes, dans lesquelles ils sont, eh bien, on va leur apprendre à être plus flexibles. Alors, je vous montre juste l'article en question. Voilà, il est là. Là, c'est sur le surcontrôle et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Avec cette thérapie-là. Voilà. Petit article plutôt de magazine, hein, qui là aussi vulgarise, mais de manière un peu moins facile, les articles de recherche scientifique, hein, sur le sujet. Et en fait, ces interventions-là, ça peut être utile pour des gens qui ont d'autres problématiques du type la dépression résistante au traitement, l'anorexie, l'autisme, etc. Enfin, certains troubles qui sont sur le spectre de l'autisme, etc. Mais pour ça, pour que ça fonctionne, tout ça, il faut d'abord diagnostiquer qu'on est dans le surcontrôle. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement auto-évaluer comme ça. Il faut, enfin, il y a des outils qui existent pour savoir si on se situe plutôt dans le sous-contrôle ou dans le sur-contrôle. On peut avoir une tendance, hein, on l'a dit, on est tous plus ou moins d'un côté ou de l'autre de la balance naturellement. C'est comme extraversion, introversion. On est tous plus ou moins, on sait un peu de quel côté on penche quand même, si on est plus extraverti ou introverti, de manière de la tendance générale. Mais on est rarement radicalement introverti ou radicalement extraverti. Là, pareil. On a tous à peu près l'intuition si on est plutôt du côté du sur enfin d'un contrôle fort ou d'un
manque de contrôle, on a un contrôle très faible dans l'autorégulation. Mais après, de là à dire qu'on est diagnostiqué dans le surcontrôle, entre guillemets pathologique, en tout cas contre-productif, là, il faut aller un peu plus dans le détail parce que très souvent, on est dans un surcontrôle qui n'est pas suffisamment important pour créer des vrais problèmes. Donc voilà, enfin, en tout cas pour créer des pathologies vraiment lourdes. Donc voilà, donc c'est important de bien évaluer ça pour ensuite avoir des interventions qui fonctionnent correctement. Bien, alors, je note que on s'est fait cet article-là et je vais finir rapidement, parce que je voulais le faire quand même. Hop, voilà, avec, je pense, l'article sur les plantes. Il est assez rapide et il va nous changer un petit peu. Alors, on a aussi traité des articles récemment sur les villes versus les campagnes en termes de lieu de vie et de santé mentale. Là, la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que le fait d'avoir des plantes chez soi, ça a un effet? Il y a des études qui ont montré que ça avait un effet depuis quand même plusieurs années. J'en parle dans mon livre, là. Là, tac. Justement, il y a un chapitre là-dessus sur le lien à la nature. Et effectivement, on sait que ça a des effets. Là, des études un peu plus récentes qui vont dans le détail. Donc, on a 90% des gens qui passent. Enfin, pardon. Les gens passent quasiment 90% de leur temps dans des lieux intérieurs, en moyenne. Et donc ça peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Et donc l'OMS estime que 5% des adultes, globalement, souffrent de dépression à un instant T. Hein. Parce alors je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête de personnes qui souffrent, il faut faire un épisode dépressif dans leur vie, c'est assez énorme, hein. Je crois que c'est une personne sur deux, quelque chose comme voir un peu plus. Mais à un instant donné, on a 5% des adultes qui, de manière globale, souffrent de dépression dans le monde. Et alors là, au Royaume-Uni, la dépression, l'anxiété, le stress, c'est 55% des jours d'arrêt maladie, en fait. On estime ça. Hein. Ou des jours de travail plutôt perdus, parce que c'est pas forcément des arrêts maladie, les gens peuvent aller au travail même en ayant ces symptômes-là. En 2021-2022 au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui est important. Et donc les petites améliorations qu'on peut faire facilement pour aider à soutenir notre santé mentale en intérieur, ça peut être assez intéressant d'un point de vue déjà de la santé mentale bien sûr, et évidemment d'un point de vue des entreprises au niveau de l'efficacité, de la productivité, si on est très, très cynique et dans le côté productiviste. Et voilà, donc les plantes en intérieur, c'est une manière de se connecter avec la nature. En fait, au niveau de la recherche, justement, on a, et ce que je vous disais tout à l'heure en intro là, que les plantes en intérieur, ça réduit le stress, ça réduit la pression sanguine et ça améliore l'état d'esprit. Enfin, voilà, l'état d'esprit, l'humeur, etc. Et dans les bureaux aussi, les plantes ont été associées avec une plus grande satisfaction au travail et des plaintes de santé qui sont réduites, et même avec de la productivité. Là, c'est pas dit ici, mais voilà. Alors, l'année dernière, donc là, il y a des chercheurs qui ont travaillé, donc la Société Royale d'Horticulture, donc c'est en Angleterre, sur ce sujet-là, et ils ont regardé quelle était la réponse psychologique de 520 personnes à l'apparence de différentes plantes d'intérieur dans un questionnaire en ligne avec des photos. Donc, les personnes, ils regardaient 12 photos de plantes, ces photos-là, avec différentes formes, différentes couleurs, etc. Et elles devaient répondre à des questions basées sur leur opinion par rapport à ces plantes-là. Donc, les personnes devaient identifier leur plante favorite et leur plante, la plante qu'elles aimaient le moins. Et ensuite, il y avait des échelles avec 6 paires d'activités contrastées. Pardon, 10 paires d'adjectifs contrastés pour qualifier chaque plante. Et elle devait aussi dire enfin, comment elle percevait la plante par rapport à l'amélioration de la qualité de l'air potentiel de cette plante et enfin, la contribution au bien-être potentiel d'une telle plante. Donc là, il parle des différentes plantes qui étaient proposées.
Et globalement, les participants avaient la perception que toutes les plantes en bonne santé et vertes allaient avoir un impact positif sur leur bien-être. Mais certaines plantes en particulier, donc Pothos, Weeping Fig, je sais plus laquelle c'est, et Palm, là sur la photo, parce que je suis pas du tout spécialiste, eh bien, ces trois plantes particulières étaient celles qui, selon les gens, leur perception aura un impact plus important, aurait l'impact le plus important sur leur bien-être. Voilà. Donc en fait, hop là, pardon, je me suis planté. J'ai un peu tout au micro. Donc les recherches montrent qu'en fait les plantes qui ont vraiment des feuilles vertes larges, etc., sont celles qui vont avoir le plus gros boost sur le bien-être selon la perception des gens. En sachant qu'on sait que c'est un effet sur le bien-être, et là en plus la perception, on voit que la perception joue aussi. Donc c'est important de choisir des plantes qui vont être bien vertes avec des belles feuilles, etc. Ensuite, la forme des feuilles. Des études psychologiques ont montré, enfin, en psychologie ont montré que les objets avec des courbes provoquent des émotions positives chez les humains, les êtres humains. Et leurs recherches à eux montrent que ça s'applique aussi aux plantes en intérieur. Donc en fait, là, ces plantes-là, typiquement, sont moins aimées par des participants que ce type de plantes-là avec des belles feuilles rondes, enfin, plus rondes, plus douces, etc. Donc en fait, les êtres humains préfèrent regarder à des formes que le cerveau peut reconnaître facilement et traiter facilement. Et quand on cherche un effet calmant, il faut choisir des plantes qui sont suffisamment intéressantes pour attirer votre attention. Mais qui ont des caractéristiques qui sont pas non plus excessivement on va dire criardes. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait des couleurs trop vives dans tous les sens, il faut pas qu'il y ait des formes qui soient trop agressives, etc. Donc voilà, ça c'est les petits conseils pour choisir ses plantes en intérieur. Et alors, quand on doit décider du nombre de plantes requises pour l'effet maximal au niveau du bien-être, en avoir plein, trop, c'est pas forcément mieux. Il vaut mieux avoir une plante bien choisie, qui soit jolie, qu'on aime bien, plutôt que d'avoir des plantes partout. Et de stresser aussi de la gestion de ces plantes-là, etc. Donc voilà. Il ne faut pas forcément en avoir partout, faut pas forcément que ça devienne une jungle pour qu'il y ait un effet positif. Et il y a des recherches au Japon justement qui ont montré que la présence de plantes à feuilles, donc vraiment avec des. Pouvait booster la créativité dans les espaces de travail. Donc voilà. Mais si vous avez besoin de focus, de vous concentrer, avoir trop de plantes dans l'environnement, ça peut être une distraction. Donc il faut bien équilibrer les choses. Donc voilà un peu l'idée autour de ces plantes-là. C'est quelque chose qui est intéressant. On savait déjà que ça avait un effet. Là, on est rentré un peu plus en détail de quel type de plante, pour quel effet, etc. Donc voilà pour cet article. Alors c'est un article qui a été repris là dans Reach a Good Science Center. Vous le retrouvez aussi dans The Conversation. Donc, ça a été écrit par Jenny Berger, qui est une chercheuse en postdoctorat actuellement. Donc voilà, vous retrouvez les éléments, si ça vous intéresse, de regarder un petit peu les types de plantes que vous y connaissez. Voilà. Donc, les cactus, les plantes plutôt comme ça, pointues, etc., c'est pas forcément le mieux. Si vous devez en choisir une, il vaut mieux partir sur ce type de plantes-là, ou ça, etc. Donc voilà pour les articles du jour. On a donc fait trois articles. Il est 9h12. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, pour cette semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de psychologie positive. Normalement, si tout va bien. Bonne journée, à plus.